Les membres du syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale de la région de l'Est ont entamé une grève de 48 heures ce matin. Conséquence, les centres de santé ont fonctionné au ralenti. Le SINCHA exige le traitement des dossiers des agents de santé de la région. Le constat de la grève avec Aimé Douamba et Lambert Soma. Des portes closes, nous sommes au CSPS 1 de Fadangourma. Dans tous les autres CSPS de la ville, c'est le même constat. Au CHR, c'est le service minimum. Les couloirs d'habitude bondés de monde sont pratiquement vides. Certains patients sont là et attendent. C'est sur le service minimum là qui fonctionne. Et jusqu'à maintenant, j'ai une équipe composée du DRH et du DSIO qui sont en train toujours de faire les constats dans les services. Donc, c'est quand ils vont finir leur ronde, on pourra avoir en tout cas un rapport complet de cette matinée. Les cinq sections du syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale sont en mouvement de grève pour 48 heures. Cette grève se justifie par les motifs suivants. Nous exigeons un audit sur le traitement des corrections des indemnités et autres des agents de santé de la région de l'Est. Nous exigeons également que nous ne voulons plus constater de pertes de dossiers. Nous exigeons qu'un feedback puisse être au moins fait sur les dossiers qui ont été rejetés pour suite aux corrections. Et nous exigeons aussi le respect de la liberté du droit syndical. Et il y a un point également où nous exigeons le départ sans condition de M. le directeur régional du budget. Et enfin, nous exigeons qu'après l'audit, tous ceux qui seront reconnus comme fautifs partent de cette région. Les membres du SINCHA se réservent le droit d'engager d'autres formes d'action pour l'aboutissement de leurs revendications. Mais en attendant, les malades eux aussi sont présents et espèrent des soins dans les meilleurs délais.